Bonjour à tous, je vous emmène sur une rando VTT, les boucles de Gaillan. Donc on est début juillet, il fait 19 degrés à 8h du matin. Il devrait faire beau avec des nuages, donc on ne devrait pas avoir trop chaud. Et je suis parti sur le parcours des 50 km. Donc je connais pas trop ce coin-là. Je pense que c'est plutôt plat. Il y aura un peu de campagne. On va découvrir. C'est l'occasion. Voilà, c'est parti. Bon, pour l'instant on a fait près de 10 km et c'est vraiment un beau parcours. On est entre la campagne, la forêt, on longe les canaux. J'entends un petit peu de difficulté. C'est magnifique. Et là on relonge le canal. C'est assez fluide. J'ai plutôt une bonne moyenne. On est au début, on peut encore avoir des surprises. En tout cas, c'est très joli. Allez, on continue. Vraiment beaucoup de singles sur ce parcours, c'est vraiment une bonne surprise. On attendait quelque chose d'un peu plus calme. Et là, on s'amuse pas mal. Par contre, il vaut mieux pas être grand. Il faut souvent se baisser. Bon voilà, ça va pas le faire. Quelques branches au travers, ça fait partie du jeu. Beaucoup de singles très sympas. Allez, on continue. Toujours sur ces singles. Super sympa. Par contre, je pense qu'il ne faut pas refaire cette trace à un autre moment de l'année. On voit que le parcours a été préparé. Et je suis sûr qu'à certains endroits, ça sera la jungle. Voire des branches dangereuses. Donc, il faut venir aujourd'hui pour la faire. Et je ferai pas moi, je le ferai pas entre temps. Ah, par ici. Ouais. Allez, on continue avec tous ces super singles. Pas du tout où on est, en tout cas c'est un petit coin magnifique. Il y a des pièges. Il y a des pièges.
regardez-moi ce beau paysage de campagne, c'est pas magnifique. Bon, je suis à 28-29 km et ce qui me ferait plaisir, ça serait un petit ravito. Si ça pouvait ne pas traîner, ça m'arrangerait là. Et un petit croc. Moi, je me suis trouvé un ravito à 30 km. Je suis pas sûr que c'était le ravito VTT. C'était peut-être le ravito route. Mais bon, ça m'a pas empêché de m'arrêter et de reprendre des forces. Donc là, voilà, il nous reste 20 km. Pour l'instant, on est de retour dans la campagne. Et la météo est un peu fraîche. Mais idéal pour rouler. Allez, on continue. Bon, deuxième ravitaillement à 35-36 km. Et donc maintenant il ne reste plus que 15. Toujours avec un petit peu de fraîcheur. Il me reste un peu d'énergie. Je vais essayer d'accélérer un peu pour tout donner sur la fin. Allez, on continue. Bon, cette rando se termine. C'était une très bonne rando, je suis bien éclaté. Pas mal de singles au début, un petit peu de campagne. J'ai pas mal roulé aussi le long du canal. Et sur la fin, c'était un peu plus roulant. Et il faisait un peu frais, donc tout allait bien pour moi. Donc je me suis bien amusé. Et je voulais aussi remercier les organisateurs pour les ravitaux et le marquage. Le marquage était parfait. Plus la trace GPS fournie avant le départ. Donc impossible de se louper. Et c'est pas mal de rouler sans être trop concentré sur le parcours. On va regarder un petit peu plus le paysage. Donc voilà, une excellente rando. Et on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant pour la suite. On va essayer de rester sur la distance de 50. Ou un peu plus, ou un peu moins, on verra bien. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, roulez bien et portez-vous bien. Salut !